putain. Je te regarde parce que vas-y, ma cousine est en train de faire de la merde encore. Allez, santé. Là, c'est bon. Allez, santé. Allez, ma c'est... Est-ce que le pire, c'est que c'est ma cousine ou que c'est elle en train de faire un strip? Ça. Tu prends toute la place. Alors, ma petite facture. Allez-y. Les Ah, je te jure, mais. gâchis. Non. Pour vous. Je vous donne les trois boissons et vous leur donnez. Ouais, je vais faire ça. Mais non, putain, allez, c'est parti. Viens. Et voilà pour vous. Et nickel, merci beaucoup. De rien, bonne soirée. Fais passer le cercueil à 50$ comme tu m'as dit. Hein. Ça. Hein. Si tu parles, je t'entends pas. Ouais, bien. Les derniers qu'on a, donc. Ok, pas de soucis, c'est noté. Léo devrait pas tarder à arriver avec ses nouvelles playlists. Perfecto. Pitch, tu t'en sors? Yo, mon petit Arturo! Comment il va, le petit Arturo? Tu es au courant qu'il y avait un autre Chico? Non. Il y a peut-être un frère. Oui, bah du coup, oui. Avec Davis. Bah écoute, ça va tranquille. J'ai repris le boulot aujourd'hui. Donc, un pec. Un autre mana. Clairement. Après, c'était que le premier jour, donc voilà, mais... Alexandre, tu peux prévenir que le patron paye sa tournée. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pardon, excusez-moi. Oui. Je suis obligé de vous fouiller. Ah oui, c'est... PK pour vous. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Et un PK pour vous, monsieur. Vous pouvez y aller. Merci. Ah ouais, ça change. Hein. C'est très clair. Là, c'est petite session à RP après le taf, tranquille. Lex, est-ce que tu fais passer le message comme quoi que le patron paye un verre? Deux secondes, je finis les dernières commandes, ça renfloue les caisses et après je fais passer. Ça va? Il y a mon collègue, le copatron du Bahamas. Allez, faut que j'aille me coucher moi. Oui. Le restaurant qui est là. Ah, ben bah, on va se rencontrer, c'est très bien. Ouais, c'est fait pour. Et voilà. Merci à toi. Merci à toi, vas-y. Alors, Larry, vas-y, je t'aime bien. Ce soir, je dors pas à la maison. Non, c'est gentil, merci. Tiens, Larry, je te présente le patron du Bahamas. Vas-y, un coca. Vas-y, ça va. Bonjour, monsieur. Eh ben, écoutez, rebonjour, ça va et vous? Très bien, merci. T'es parti dormir? Tout se passe bien? Bah, écoutez. Ouais? C'est Enzo, ça? Comment vos projets avancent? Oh putain, oh, merde, je t'avais pas reconnu. Je vais te revenir dans ces. C'est Enzo, ça? Venez, on va peut-être aller discuter un peu. Ouais, bah, on va aller dans mon bureau. Je peux pas, je vais être occupé, juste faites pas de bêtises. Elle est grandiose, hein, cette boîte de nuit. Hein. Ouais, c'est quand même très joli. Hein. Bon, là, vu que c'est pas programmé à la base, c'est un peu compliqué l'organisation, mais. Ouais, je vous comprends, je prends notre charge. Écoutez, je me présente, hein, enchanté. Bah, moi, c'est Larry Davis. Du coup, je suis le patron sur papier du Barracuda, du restaurant bar qui a ouvert.
le long de la plage. Je sais pas si vous avez... D'accord, alors non, j'ai pas encore eu toutes les infos. Voilà, bah en fait, on a un restaurant bar qui a bon père. On fait spécialement de la nourriture basée sur du poisson. Donc, à l'occasion, vous pouvez venir avec grand plaisir. D'accord, bah, j'hésiterai pas à passer, évidemment. Hein. Il faut faire vivre les entreprises des uns et des autres. C'est l'essentiel, hein, bien sûr, tout à fait. Je voulais surtout aussi vous voir par rapport à une certaine chose. Vous avez vos boissons. Ouais. Et nous, on serait intéressés pour essayer de voir un peu les boissons qui plairaient aux gens si on avait dans le restaurant. Donc, j'essaye de voir un peu avec des entreprises diverses quel type de boissons il serait intéressant d'acheter chez eux. Mmh. Voir, histoire que ça fasse marcher un peu tout le monde aussi. Ok. Donc, nous, de notre côté, bon, on va avoir un peu de tout, hein, forcément. On est une boîte de nuit, donc tout ce qui va être soft, alcool, cocktail, tout ce qui va être apéritif aussi, hein, tout ce qui va être mix apéritif, des paquets de chips, des cacahuètes, des popcorn, etc. etc. Après, ça va voir si on part sur un petit peu de soft, un petit peu d'alcool, un petit peu de cocktail, ou si on prend seulement une catégorie. Bah, en fait, moi, je vous avouerai que ce qui m'intéresserait pour commencer, c'est surtout ce qui est cocktail et soft. Ok. Ouais, côté cocktail, c'est je trouve le plus Est-ce que quelqu'un peut aller chercher ses papiers au gouvernement? Donc, c'est pour ça que ouais, je serais plus partant pour du cocktail et un peu de soft. Et peut-être aussi tout ce qui est gâteau apéro, pourquoi pas à la limite, pour essayer voir comment ça se passe. Bah, écoutez, ouais, ça marche. Alors, en soft, on a un petit peu de tout. On a tout ce qui va être Coca-Cola, du Sprite, Fanta, Esti, Red Bull, limonade, jus de fruits. Ok. Faut savoir que nous, à l'achat, ça nous coûte, c'est des boissons qui nous coûtent $6. D'accord. Donc ça, hein, au niveau de tout ce qui va être cocktail, on va avoir Mojito, Pina Colada, Bloody Mary, Sex on the Beach, Manhattan, et celui qui est fait maison, c'est le Mimosa. Ok, très intéressant, c'est cool. Bon, j'ai pas les prix, les coûts d'achat actuellement sous la main. Je regarde. Ah, je pense que, au plus simple, c'est que moi, je vous donne plutôt un montant et je vous fais assez confiance. Vous faites vous essayez de voir un peu ce qu'il y a, ce qui pourrait intéresser les gens, ce que vous vendez un peu plus ou moins ici. Et au pire des cas, j'essaierai de faire avec ça pour voir au début. Ouais. Je ne vais pas tout prendre parce que je me dis qu'il y aura peu de chances que ça intéresse tout le monde. Mais comme vous êtes dans une boîte de nuit, vous avez souvent du monde qui passe, qui rentre, qui vient. Vous avez peut-être plus de valeur, on va dire. Vous voyez mieux ce que les gens boivent ou pas. Ouais. On a une petite idée, effectivement. Par rapport à ce qui va intéresser les gens et tout ça. Exactement. Bah écoutez, je peux vous donner mon numéro de téléphone? Oui. Ouais, je vais faire de même d'ailleurs. Je suis encore les discussions, Arthur, sur par rapport à. Nickel. Au groupe Leclerc, hein, forcément, vous êtes des potes. Donc, on s'organisera ça un petit peu plus tard. Ce qui se passe. Là, j'ai pas mal de choses prévues dans les médias. Ouais, il n'y a pas de souci. Et après, on se donne un rendez-vous et on s'organisera ça. Il n'y a pas de souci. Écoutez, dans ce cas-là, si on trouve un accord dans ce style, tout ce que je vous demanderai, bah forcément, c'est de créer le contrat. Ouais, bien sûr. On trouve, de toute façon, l'accord est plus ou moins trouvé, hein, par sur bien cette sûr, base-là. Et puis... Voilà, comme ça, on est en ordre au niveau des contrats inter-entreprises. Ouais. Voilà. Pas de souci, fais ça, il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, je ne vous dérange pas plus. Bah, écoutez, bah, c'est moi qui vous remercie. Arrête de...
Mais oui, t'inquiète, je sais bien que c'est un sketch. Hein. Ça va pas l'en s'arrangeant. Et voilà, papy. Bonjour, papy. Bonjour, oui, vous êtes. Monsieur Tessier, directeur de, du Babas. C'est vrai, monsieur Fessier, comment allez-vous? Non, Tessier, avec un T. Ça te dérangera de nous ramener ce soir au LS? Vous voulez aller au bureau? Allez, on y va. Je prends un véhicule et... Ouais, ou... Putain, il y a pas de... Je profite du musée, la main. Je vais faire que ça. Ah, tu fais toujours la tournée ou pas? Ouais. Vous avez toujours la Virginie? Ah oui, toujours. Hein. Alors, dites-moi tout, monsieur. Moi tout. Oui. Attends, je vais... Alors, oui. Déjà, voilà, je me présente, monsieur Jacques Crépilleau. On s'est déjà vu plusieurs fois. Oh oui, là, on s'est déjà croisé plus d'une fois. Oui, oui. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire, moi? Ah oui. Et du coup, je suis ministère de la Santé, voilà. Oui, j'ai cru entendre que vous étiez ministre dans le ministère de la Santé. Félicitations à vous, déjà. Oui, merci. Et du coup, si jamais vous avez quoi que ce soit demandé par rapport à la santé ou quoi, vous n'hésitez pas à me demander. Et aussi, ça va bientôt entrer en vigueur, on est en train de l'écrire, etc. Mais normalement, on va proposer aux entreprises d'avoir un ou deux employés qui sont formés pour utiliser les défibrillateurs pour tout simplement réanimer les gens qui font des petits malaises vagales en attendant les EMS. Ouais, d'accord, voilà. Ok. Ah, ça c'est bien, c'est très bien. Oui, parce que des fois les EMS ne peuvent pas parce qu'ils ont des trucs, donc au lieu de les attendre pour un petit valise magal, bah, autant vous essayer de faire la petite formation pour les réanimer. Quoi. Ouais. Ça évitera à beaucoup de personnes d'attendre. Deuxièmement, est-ce que quand vous embauchez les gens, vous leur faites une visite médicale? Alors actuellement, non. D'accord. Alors, on va mettre aussi en place, en vigueur, avant chaque prise de poste, une visite médicale devrait être faite. C'est bien pour vous et aussi pour nous, pour savoir s'ils sont aptes à travailler. Par exemple, un barman, s'il est apte à travailler pour faire des cocktails, etc. S'il n'a pas des problèmes à rester trop longtemps debout, s'il n'a pas des problèmes au niveau du canal carpien, etc. etc. D'accord. Ensuite, tous les 4 ans, une visite médicale aussi sera faite. Une deuxième visite pour voir si tout est toujours bon. Quand je parle de 4 ans, je parle que les jours, c'est des mois et les heures, c'est des années. Hein. Enfin, vous avez compris, quoi. Ouais, c'est bon. Voilà, mais non, mais c'était pour être sûr. Donc, voilà. Ok, bah écoutez, c'est très bien que tout ça soit mis en place. Ça va renforcer les équipes, déjà. Ouais, c'est une certitude aussi pour nous, employeurs, au niveau de qui on recrute. Donc c'est très bien. Ça, oui. Oui, parce que voilà, si jamais vous recrutez quelqu'un mais qui n'est pas apte à travailler et qu'au bout d'un mois il vient vous voir et vous apprenez des choses sur lui, etc., qui n'était pas apte, ça vous la fout mal. Donc autant faire tout de suite une visite médicale. Ah oui, non, mais complètement. Du coup, quand on mettra ça en place. De toute façon, ça sera évoqué lors d'une réunion que je crois que dimanche, le gouverneur va faire. Quand on mettra ça en place, les anciens employés qui sont déjà embauchés, il faudra leur faire une visite médicale eux aussi, du coup. Ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, les deux points principaux qu'on va bientôt mettre en place, là, je suis en train d'écrire les textes. Donc, pour l'instant, c'est pas mis en place, c'est pas en rigueur, mais je préfère prévenir quand même au cas où. Mais les deux principaux points qu'on va faire, c'est la formation du défibrillateur et du coup la visite médicale obligatoire à l'embauche et 4 ans après l'embauche. D'accord, ça marche. Ouais. Bah écoutez, impeccable. Vous avez des questions, vous aussi, par rapport à, je sais pas, si vous voulez rajouter de l'équipement, par exemple des trousses de soins ou quoi, si vous avez besoin de trousses de soins en plus, n'hésitez pas à me demander. Moi, je fais la demande auprès des EMS pour qu'ils vous fournissent ça, quoi. Ouais, ok, ça marche. Bah, c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir des trousses de soins ici en attendant, parce que en cas de, comme vous dites... Vous en avez aucune? Non. On n'en a aucune et c'est assez embêtant quand il y a des petits soucis.
Donc effectivement, ça pourrait être pas mal. Ok, je vais demander ça au directeur des UMS si jamais il peut vous fournir. Ok, bah pas de soucis alors. Vous avez des questions ou pas? Pas pour l'instant. Je sais pas si j'ai votre numéro du coup. Non, attendez, je vais vous le donner. Je vais vous faire un air up. Attendez. Donc, John, allez-y. Parfait, je vais vous donner le mien. Parfait, je l'ai vôtre. Parfait. Donc, tu m'as voulu des questions, vraiment n'hésitez pas. Et voilà. Ouais, non, mais j'hésiterai pas là, de toute façon. Pour le bien que ce soit de mon entreprise et puis aussi de mes salariés. Très important. Ok, super. Bon, allez, je vous retiens un peu plus. Une bonne soirée à vous. Profitez du verre que je vous offre. Oh, merci, c'est gentil. J'ai d'appeler les UMS pour voir si je vois. Bonsoir, monsieur Diogo, comment allez-vous? Tu leur as fait leur verre offert, Alex? Ils n'ont pas tous pris, mais certains, oui. Ok, ça marche. Sachez que dans peu de temps, le temps que la loi se met en vigueur, rentre en vigueur, vous allez devoir passer une visite médicale pour. Déclaré apte à votre métier. Ah bon? Ouais. Bah, qu'ils attendent que j'accouche alors. Voilà, hein, c'est mieux. Gars, les lunettes de Jim, ils ont puc par terre tout seul. Ouais. J'ai rien fait. Tu lui as mis une droite. Non, j'oserais pas toucher Jim, t'es sérieux? T'as glissé, c'est ça? T'as glissé? Non. Alex? T'es méchant. Alex. T'es méchant quoi? T'as glissé? Non. Lui il a glissé? C'est parti, on va pouvoir fermer le Bahamas, ça allait débiler. Ah, c'était pas prévu, non, franchement. Pas... Ça fait bobo aux oreilles, ça. Ça fait bobo aux oreilles, ça. Ça, c'est... Non. Ça, je connais. John? Oui, quoi? Ça fait bobo aux oreilles, ça, je connais. Qu'est-ce qui fait bobo aux oreilles? Musique. Tu connais cette chanson? Dis-moi que tu la connais. Ouais, mais c'est du remix, logiquement, ça devrait pas faire bobo. Ils sont tous partis là? Bah, y a l'air, hein. Fermeture Bahamas, et puis voilà. Hein. Ah non, j'ai pas encore eu l'autre Richard. Ta facture, toi. Oh putain, je te jure. Voilà, j'ai retrouvé les bons prix. C'est bon? Où sont mes lunettes? Il a marché dessus, ton frère. Ils sont là, James. Tu les vois? Ils sont tombés tout seuls. Hop, pouc, tombé du nez. On est de merde, putain. Et j'ai rien fait. Mais. Non, t'as déconné. Mais pardon? C'est qui ça? Je vais essayer de téléphoner à monsieur Richard. C'est qui ça avec la chemise? C'est pas monsieur Tchekov? Pas Aronson.
Your call has been. Vincent, et je suis bon après. Donc t'auras fini ? Non, il en restera 1500, mais c'est ce que je vendrai demain pour Léon. Ok. Je vous laisse gérer entre vous à ce niveau-là. On est à 36 039. Live. Attention, attention, attention. Comment je marche? Aïra. T'as vu, wesh wesh, gang gang. Toujours plus fort, Léo, hein. N'hésite pas à rendre sourd nos clients, hein. Bah, du coup, j'ai vu avec eux, ils vont venir vous donner quelques trousses de soins. Ah, super, merci. Une dizaine. Pas aimable. Voilà, donc pour les petites coupures ou un truc comme ça, comme si on n'avait pas besoin de faire tout le truc. Ouais, et puis ça peut éviter d'embêter les EMS à chaque fois, oui, pour pas grand chose. C'est vraiment. Ils sont déjà très très occupés. C'est bien d'en avoir dans les entreprises. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Des pansements, tout ce qui est de pansements. Vous êtes dans un bar aussi. Bon, un bar. Vous avez un distributeur de capotes ? Oui, dans la toilette. Oui, dans les toilettes. Voilà, faut le mettre. Super. Faut que vous en remettiez de temps en temps aussi. Un distributeur T'inquiète. De tampons. Toujours. Papy, toujours je vérifie. Un distributeur de tampons et de serviettes aussi. Oui, aussi, dans les toilettes. Parfait. De vodka, s'il vous plaît, c'est moi qui paye. D'accord, okay. Pas de soucis. Vas-y, va chercher sur la fête. Assieds-toi un peu. Et... Ah, oh, les hommes, je prends toute la place. Hop. Mais ouais, non, c'est pas ça, c'est mal pour ça. Le problème, c'est quand. J'ai pris le nom, probablement. Tu vas voir, tu vas kiffer, John. Quoi ? Attends, regarde. Regarde, je suis constipé. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, aux toilettes. Ça tombe bien, on a le ministre de la Santé derrière. Alors, monsieur, oui. Qu'est-ce qu'on fait quand mon employé est constipé ? Vous lui donnez du Smecta. D'accord, allez, c'est parti. Bah non, du bah Smecta. Non, bah non. Eh non, tu peux pas, toi. Non, non, c'est pas ça. Le Smecta, chérie, c'est quand t'as la diarrhée, au contraire. Ah oui, justement, c'est d'être constipé. Mais constipé, c'est quand tu n'arrives pas à aller aux toilettes. Ah oui, bah. Ah merde. Alors là, oui. Et là, on peut en parler. Oh putain. Et bah là, pour un lavement. Prenez des pruneaux. Voilà, des pruneaux. Des pruneaux. Des épinards. Milly ! Oui. Mais arrête ! Alex, elle a besoin de faire un lavement. Elle est constipée. C'est pas vrai, elle écoute pas. Quoi ?
m'écoute pas. Je raconte des conneries. Il veut me faire un lavement. Ah là 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 là, les hommes d'aujourd'hui, c'est plus que c'était il y a quelques années, ma papy. Hein. Bah, ils sont gentils avec toi, ils vont te laver. Ah oui, mais ils vont pas me toucher très longtemps, eux. Hein. Ouais. Parce qu'on me touche pas et je peux me laver toute seule. Hein. Ouais, bah, il y a bien un homme qui va te toucher un jour. Hein. Oh bah, c'est déjà fait, t'inquiète. Bah, félicitations à lui, c'est qui? C'est Billy Romano. Et qui, lui? L'agent de sécu du Bahamas. Tu te tapes l'agent de sécu? Ah, je me le tapais avant le Bahamas. Super. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. No job in job, hein. Comment? No job in job. Putain. Quoi? Non, mais je me le tapais bien avant. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, lui et moi. Ah oui, c'est vrai. Oui. T'inquiète pas. Oh, papy, tu sais, il s'en est passé derrière dans les WC. Hein. Ta gueule. Comment ça? Écoute pas. Comment ça, Alexandra? Écoute pas. Sur votre bureau à quatre pattes. Oui, enfin, John, tu veux qu'on parle? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment ça, là-bas? Derrière toi. Tu veux qu'on parle? On peut parler. Ah, non. Voilà. On a fait des mimosas. Ouais. Ils ont joué au... Ils ont joué au... Okay. Oh là! On a compris le principe. Mais non. Ils ont fait du macramé. Voilà. Et toi, papy, t'as des enfants? Oula. Beaucoup ou pas beaucoup? Beaucoup trop. C'est vrai? Combien? Oula. Déclaré ou non déclaré? On bat tout, hein. Oula. Alors, des non déclarés, j'en sais rien. Mais déclarés, j'en ai trois. D'accord, donc t'es parti... Non. Voilà. Explication. Vas-y. On a fait la guerre d'Algérie, d'accord? Et du coup, nous avons envoyé en Afrique un moment dans les cases. Et les femmes, elles ont faim. Je te raconte pas la suite, quoi. Ouais. Puis il fallait se refaire aussi. Ils servent pas les dépenser, les bourses étaient pleines. Ah. Mais quoi, mais... Oui, bon. Donc, enfants déclarés, 3, mais non déclarés, je pense que j'en ai au moins une cinquantaine. Ah! Ah oui, quand même! Ah bah, ça y est, elle est tous les deux oh, jours. Putain hein. De merde! Bah oui. Elles avaient faim une seconde. Ah bah, je vois ça. Et ils s'appellent comment tes enfants? Lesquels? Bah, les déclarés, du coup. Ah, les déclarés. Eva. Pedro. Et Ethan. D'accord. Ok. Oui. Et les non déclarés, du coup? Oula. Tu lui en demandes beaucoup. Alors là, faut aller en Afrique. Je sais même si je connais. Quoi? Non. Et t'as des petits-enfants? Oui, je crois, je sais pas. Ah, d'accord. J'en sais rien. Sûrement, oui, je crois. D'accord. Ah, papy. Ils sont tous partis ou ils sont encore là? Je vois plus. Je vois là, quoi. D'accord. Bah, c'est bien tout ça. Ils sont pas ici? Bah non. Ils sont en France. Ah, mais t'es français? Bah oui. Ah, Tripilos. Nous aussi. Français, les vraiment, deux. Vraiment, Tripilos, c'est français, hein, c'est pas rebeu. Hein. Oui, ben, bah, on sait jamais avec eux. Oui, non. Oui, pardon. C'est vrai, ils sont partout. C'est comme les éoliennes. Ah, derrière vous, papy, c'est Billy. Super Billy Eilish. C'est lui, l'agent de sécu. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui que tu te tapes tous les soirs. Bah oui, en soi, oui. Bah, ficelle de caleçon à vous deux. N'oubliez pas, protégez-vous, il y a des capotes, c'est gratuit. Ah bah, pour le coup, on reviendra pour se protéger. Tard, on a mal effet. Ah. T'as déjà planté la graine dans le bateau? Ah bah là, j'accouche dans quelques temps. Elle est plantée, arrosée. Félicitations à vous. C'est pour quand le bébé? Bah, rappelle-toi, c'est Jules, qu'est-ce qu'il t'a dit? Mia. Oh putain, Alzheimer. Les gars, c'est pas dans la merde. C'est sûr que c'est moi que tu veux déposer à l'EHPAD? Mia Khalifa, quoi? Oh putain, oh, je vais le buter! Oh, ah oui, ta fille, oui, c'est vrai, oui! Ah oui, pardon, oh merde! Oh bordel! Pas Mia Khalifa, je t'en supplie! Oui, Treasure, oui, c'est Mia Romano! C'est Mia Romano, du coup! Elle a le nom du papa!
Enfin, à l'oral, non du... Là, théoriquement, là, à la fin de la semaine, ça devrait y aller. Hein. Ça devrait sortir rapidement. Je t'enverrai une petite photo, papy. Alexandra, elle va expédier ça comme une lettre à la poste. Oh bah, de ouf. Hey. Qu'est-ce que tu crois? Et fais attention au mur. Hein. M'en fous, ce sera l'hôpital. C'est pas moi qui fera le ménage. C'est oh. Dégueulasse. Vraiment, vous me dégoûtez. Et encore, je te dis pas. Il hein. Faut savoir, papy, lors d'un accouchement, ça peut sortir des deux côtés. Hein. Mais je sais, merci. Comme des trois. Par la bouche, par le cul, par la chatte. C'est ça. Pardon. Pardon, oreilles sensibles. Oui, la trois ah. Oreilles sensibles. Que t'es beau comme ça. Tu n'as pas changé sa cravate. Regarde, papy, je suis désolée, hein, mais comment tu veux pas que. Voilà. Billy T'as toujours pas changé de cravate. Mais elle est bien sa cravate, il m'attache. Non, ta cravate, elle est mal mise. Il est parti, tu l'as vexé. Tu l'as vesqué. Vesqué. Oui. Tu sais que t'es pas obligé d'en mettre, Billy. Mets ta tenue de cow-boy. La cow-boy rouge. Ah là 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 là, papy. T'as des nouvelles de Jules, John? Non, du tout. Il répond pas à Céline. Du tout. Bah oui, il répond. Il a contacté, tu vois. Mais il a dit qu'il devait être là, qu'il devait venir demain. D'accord, bon, on le verra demain. À ce qu'il paraît de venir vendredi, donc bon. On essaiera de le voir demain. Attends, je vais te donner un truc, papy. C'est ta virginité, tu l'as déjà plus. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, c'est sa virginité, elle en a déjà plus. Elle a dit quand même de donner autre chose. Quelque chose. C'est John? Oh, je sais pas. Demande-lui. John? Oui, quoi? T'as pris toutes les capotes qui étaient là? Non, et depuis. Non, mais. Qui c'est qui a piqué toutes les capotes? Je sais pas, il n'y a plus aucune capote. Oh putain, si je le trouve, ça va chier. Oh putain, ça va chier. Dans le placard. C'est peut-être Hugo, quoi hein. T'as pris toutes les capotes dans le placard? J'ai rien compris, les capotes dans le placard. Est-ce que c'est toi qui a... Alex, refais tes lacets. J'en ai pas besoin des capotes, moi. Tu veux que j'en fasse quoi, des capotes? Hormis d'en faire des ballons d'eau, j'en ai aucune utilité. Hein. Y'a quelqu'un qui a volé les capotes du Bahamas? Bah, je vois que Hugo, alors. Hein. Bon, j'appelle la police. Mais non, 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 pas pour si peu. Les capotes. Refourguez-les, on s'en fout. Non. 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 Je dois voir Barbie Lee vite fait. Pas de soucis. Dépêche, décroche. Décroche. Il décroche pas ce mongol. Oh, c'est un S. Pas pourquoi pressentiment. On a un gros problème. Il y a quelqu'un qui a volé toutes les capotes aux Bahamas. Ouais, j'aime bien. Mais c'est le pantalon. Bah, arrête tes conneries, Alex. J'appelle la police. Bah, je t'appelle toi. T'es la police, toi. En vrai, pantalon. Mais du coup, je dois porter plainte pour le vol de capotes. Mais t'es sûr? Ils vont pas me prendre pour une tarée? Du coup, je voulais donner des capotes à papy, mais papy peut pas en avoir du coup. Parce qu'il y a plus de capotes. Du coup, s'il y a plus de capotes, je fais comment s'il y a plus de capotes? Et il se protège comment? Il a déjà 50 enfants en Afrique. Je sais plus comment faire là. D'accord. Merci.
On va appeler la LSPD, ils ont dit. Pour un vol de capote. Ouais. Arrête, arrête. Mais c'est gratuit à la pharmacie, vraiment. Enfin, vraiment, au pire, je peux vous faire un certificat comme quoi je vous fais lire une tonne. Hein. On avait plein de capotes derrière, là, derrière, dans le placard. Il y a quelqu'un qui a volé toutes les capotes. C'est Rachid. C'est Ra... Et pourquoi c'est Rachid? Alors... Tu vas me dire c'est moi, ouais, ouais, c'est bon. Moi, j'ai rien dit. Ouais, rien. Eh, tu dis pas, arrête de pas mener l'enquête, moi je veux mener l'enquête avec moi. Ouais, ouais, non, mais je vais demander à Hugo. Non, c'est pas Hugo, Hugo il est encore puceau. Ouais, ouais, c'est ce qu'il dit, hein. Ah non, non, vraiment, il est puceau. Ça fait quoi d'être puceau? Bah rien. Mais du coup, c'est pour lui dire que c'est pas Hugo qui a volé les capotes. C'est soit. Oh, ça se trouve, c'est James. Oh avec la femme de ménage, tu te rappelles? Oh putain. Oh putain, j'ai trouvé le coupable, papy. Léo ? Oui ? C'est toi le voleur de capote ? Non, non, j'ai rien volé. T'as volé les capotes. Tout ça pour taper la femme de ménage de l'hôtel ? Je me suis jamais tapé la femme de ménage de l'hôtel. Mais, Alex ! Non mais je retiens. Alors attends, je vais ramasser mon chapeau. Aïe, les disques. Ça te fait rire, Alex. Papy, je suis désolée. Non mais je retiens, hein. Tu veux l'héritage plus vite, c'est tout. Non papy, je suis vraiment désolée. C'est ça là qui m'a fait glisser. Oui d'accord, oui, c'est ce qu'elle dit. Ça va papy? Oui, j'ai perdu mes lunettes. Attends, je les ai... ils sont là. Ouh. Là, juste là à mes pieds. Pointe du doigt. Ah oui, j'y vais. Merci. Oula. Désolé, mon petit papy. Ça va? Est-ce que tu préfères cette version ou pas? Oh oui! J'ai tapé papy sans faire exprès. Oui, très clairement. Après, pantalon, j'ai l'impression qu'il est dans une autre couleur. James? Mais. James? Oui. Mais. Ouais, ouais, le pantalon il fait moins noir en haut, mais oui, en soi, la tenue elle est cool. Tu penses qu'il fait bleu marine? Bah, j'ai l'impression. C'est toi qui as volé les capotes? Refais la CT. Oh. Alex, le pantalon à Billy, il fait bleu marine, non? Je vais lui enlever avec les dents, j'arrive. Ah, ah bah non. Va offrir un verre à papy de ma part. Papy, il veut un verre, papy? Allez, pourquoi pas, oui. Allez, je lui offre le verre. De quoi, papy? Qu'est-ce qu'il va boire? Je sais pas ce que tu veux. Allez. Oasis. Ouais. Donne-lui un oasis. Mets-lui pas de paille, hein, parce que. On sait jamais. Merci. Bifruit, bitropical. Allez, Mazel Tov. Mettre la tenue au centre. Les gars, on a retrouvé le peigne de Stain. Ah. Dans les vestiaires.
C'est pour ça qu'il a perdu ses cheveux. Tout seul. Voilà. C'est pas la peine, ça, c'est une tronçonneuse. Ouais, c'est mieux. Tu vas fermer le Bahamas, là ? Viens voir. Si on va pouvoir fermer. Pensez à mettre un message. Je rentre à l'EHPAD. Le bâtard. Tu dis que c'est un bâtard de ma part, s'il te plaît, John. Et pensez à mettre un message sur Birdie. T'es un bâtard, Billy. T'es méchant avec Papy. Ouais, Papy, il est gentil. Hein. Ouais, il est capable de parler de Khalifa. C'est vrai. Mais il est gentil, Papy. En plus, en par esprit, je l'ai tapé. Pensez à mettre un message sur Birdie pour dire que le Bahamas est fermé, fermez les portes. Il n'y a plus personne dedans là. Non, il n'y a plus personne. Mais bon, j'aime bien. T'as vu les tiennes? Dis-moi qu'il est en rouge. Non, il est pas en rouge. Discret. Mais oui, mais. Ah ouais, faut être discret. Là. Oui, je vais pas mettre là, mais c'est pour plus tard. Ah ouais, faut être discret. Il fallait me prévenir. Toi, t'es discret, toi, Dieu. Ah bah oui, c'est sûr qu'en rouge flashy comme ça, je suis très très discret. Toujours. Bien sûr. Bah oui. Il faut, hein. Qu'est-ce que je vais mettre comme tenue? Discret. C'est quoi ça? Oh putain, revoilà la tenue. Bah c'est très discret ça. Regarde. Magnifique. Gang gang. Plus des messages, laissez-moi tranquille.
Putain, j'ai papy qui m'appelle encore. Ah, vas-y, il va encore venir après. Ah, papy, va te coucher, t'es mat. C'est l'heure d'aller se coucher. Les vieux, c'est 19h30 maximum. On a oublié de déposer quelqu'un à l'EHPAD aussi. Billy. Bâtard. Non, c'est pas Billy. Je ne répondrai pas à cette offense. Billy, il a dit qu'il fallait que t'ailles à l'EHPAD. T'as vu? C'est pas gentil, hein. Mais vous y allez masqué? Bah, je sais pas, ça va vous demander. Oh, si, moi je mets un masque. Ça dépend qui veut vendre. Même ceux qui vendent pas, je mets un masque. Bah, si tu vends, dans tous les cas, faut pas être masqué. Bah, ouais. De quoi? Si tu vends, faut pas être masqué. Si tu guettes, tu peux être masqué. Moi, je me masque pas dans les deux cas. Oh putain, faut se mettre fin de service, c'est vrai. Alex, un masque de pingouin, ça allait bien. Hein. Non, regarde celui-là, c'est discret. Ouais, ça c'est discret. Mais oui, ça c'est discret, c'est parfait. C'est bien ça, non? Vous avez une idée de où vous voulez faire ça? Vous en pensez quoi? Bah c'est pas mal. Oh ça, Léo, c'est... avec ta sacoche Louis Vuitton là, qu'est-ce que tu nous fais? Gang gang. Juste gang gang. Je sais pas du tout où c'est qu'on va faire ça. Attends, faut que j'essaye un truc. Je suis désolé mais là c'est très discret. C'est discret, mais... Louche. Ah ben attends... Après, des gens discrets, des gens louches, il y en a partout. Hein.
Putain, ça vous rappelle pas quelqu'un, ce chapeau? Oh, non, non. Il est cramé. Oh putain, Tom Cruise, frérot. Faites quoi, 2 et 2, 3 ou 1, 3 et 1. On prend aucun risque. Un seul vendeur. Ouais. On prend aucun risque. Je vais pas mettre deux vendeurs. Deux vendeurs et deux guetteurs. Si vous sentez de le faire comme ça. Mais... Non, parce que tu peux les vendre 2 par 2, quand même 3 par 3, 4 par 4, 5 par 5. Comme potentiellement tu peux te faire voler, comme potentiellement tu peux, enfin ils peuvent appeler les flics quoi. C'est bon. Et eh ben ça y est. Allez, let's go. C'est bon, James? On est trop beau. T'as vu comment je gagne? On était trop belle. Mais je kiffe cette tenue, je crois que je vais la garder. Mettez vos fans de service, sympa. Papa. Voilà, ici, Balenciaga. Balenciaga, merci. Bon, bah, allez, c'est reparti. Donc, c'est qui est parti? Non, t'as pas reconnu. Oh, gang. On prendra pas la lumière, on va prendre la fugitive parce que c'est là où il y a la coke. Effectivement. Si jamais on doit taper une course poursuite, bah vaut mieux avoir la fugitive que Gengi. Elle a disparu. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La puissance, la maniabilité, tout. Pour le coup, Gengi est très puissante, elle est au max. Hein. Donc déjà. Est-ce qu'elle est maniable? Demande à Jums, oui. Faut juste savoir. Ah non, c'est vrai, elle est là, ma voiture. Et où, Billy? Je suis parti déposer la matraque et le problème. Je reprends mon Il n'a pas pris sa fin de service. Ouais,
Attends deux secondes, je suis en train de régler un problème. Ok, Aïe. Oh là là. Tu m'en veux pas, hein, je reste derrière le poteau. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Il refait des siennes, Michel. Oui, oui, vous l'avez pas. Alors, Michel, attention, tu vas être viré, toi, je te le dis. T'es oublié. Ah bah, Billy, bah, il est chaud, hein. Je te laisse fermer le Bahamas derrière toi. Hein? Allez, c'est bon. On trouve au parking derrière. Attendez. Le... Vous avez déjà un fugitif, mais il était pas au Bahamas. Il m'a dit qu'il était au Bahamas. Attends. Mais on est devant le Bahamas. Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu tout. Et nous chercher au parking, s'il vous plaît. Mais tu demandes pas à Michel de te la dégager? Non. Oh putain, il est dans un état, ma bagnole. T'es où, Léo? Je suis avec Dumes. Allez, on bouge, on reste pas devant le Bahamas. Mais t'écoutes pas quand on parle, Billy? Désolé, je t'occupais à répondre à quelqu'un. À qui? À Léo. Léo? Mesdames et messieurs, votre voiture en destination de... Je sais pas où est arrivée. On fait ça où? Si on se fait sur Vinewood. Fête foraine, je la sens pas. Est-ce qu'on déposerait pas nos permis et tout? Bon, vous pouvez tout laisser dans la boîte à gants. Ah, ceux qui vendent surtout, ceux qui guettent en soi. Ouais, mais moi j'ai tous mes permis en fait, voiture, camion, moto, j'ai tout. Qui veut vendre? Ah, moi je veux guetter. Moi je suis chaud pour vendre. Alex. Je m'en fous. On vend à deux, pire Billy. De toute façon, vaut mieux que, étant donné que je suis enceinte jusqu'aux dents, vaut mieux que je reste en guetteur. Alors, enceinte jusqu'aux dents, j'avais jamais entendu. Armée jusqu'aux dents, au pire. Ah bah oui, mais moi, c'est une arme, hein, la grossesse, là. Je suis une bombe à retardement, frérot. Ah, c'est ça, le tic-tac. Je vais te défoncer la gueule. T'es à côté de moi. Que j'entends. T'es à côté de moi, je te rappelle. Oui, mais je sais. Tu vas où, là? S'il te plaît, Billy, pas d'accident. Y'a quelqu'un qui peut se positionner par là au niveau des arbres pour guetter ici. J'y vais. Attention à toi. T'inquiète. Sur la radio? On est tous sur la radio. Ok, c'est bon, je suis derrière les arbres. Vous êtes parti vendre où, du coup? On va vendre à l'université. On va vendre aux gamins. Oh, imagine ta fille, elle achète ça plus tard. Non, parce qu'elle sera éduquée. Bah en soi, tu peux être éduquée et acheter ça. Hein. John, t'as une voiture ou pas? Ouais, bah j'ai ma blister. Hein. Que je la vois pas un jour avec de la coque parce que ça va chier. Essaie de te placer sur une place de parking et tu gâtes. Tu vas aller vendre de la bœuf avec lui, avec elle? De la bœuf. Et elle, elle va la vendre. Elle va pas la consommer.
tu m'as pas laissé grave long pour où vous êtes, vous? Non, parce que tu vois le... tu vois ce qui arrive de ton côté à chaque fois. Ok, d'accord. Non, mais... t'as réussi à tout prendre dans la voiture, toi? Tu peux pas tout. De pute, fracasse-le. Allez, cours vite. John, y'a un connard qui vient vers toi, fracasse-le s'il te plaît. T'inquiète. Non, pour l'instant je tourne alors, hein. C'est compliqué. Là. Ouais, c'est dur. Non. Il est où? Remonte la rue, y'a un mec qui est en train de courir avec une casquette bleue. Il m'a tiré 5 de coke ce bâtard. C'est bon, je l'ai. Oh, il va mourir. Laisse-le, roule-lui dessus, j'en ai rien à foutre. Ah, il a fait un petit vol plané. Allez-y, il est plus haut. T'as récupéré le produit ou pas? Non, j'ai pu le récupérer moi. Yeah. Ah, c'est bon, je... culé quoi. Ouais, potentiellement, il a perdu les jambes. Et pas que. C'est pas grave. Voilà, ouais. Où Billy? Je suis parti descendre vers le stade. Reste pas avec moi, enfin tu te promènes, tu vends. Tout se passe bien de ton côté, Alex? Oui. Ok, je spot du parking. Oh, t'inquiète, ça vend bien. Vous annoncez si vous voyez une voiture de police, une voiture suspecte ou autre. Ouais, t'inquiète. T'inquiète pas. Moi j'ai pas de chance. Un qui vole et l'autre qui veut pas.
Moi j'ai fait ça toute ma vie, Billy. Délinquant, va. Mec qui court autour de l'université. C'est moi. Ouais, Léo il court facilement. Frérot, pourquoi t'as un pantalon clair? Non. Bah de loin on dirait un pantalon clair. Un pantalon clair. Je fais un tour rapide du quartier. Un flic, je fais ah ah. C'est ça. Ok, au-dessus. Après, peut-être pas parce que Papy Billy va peut-être pas comprendre. Ah ah ah. Je crois que je parle d'un rat. Oh, il se barre. Je l'ai chopé. Elle voulait balancer. C'est ça qui vient de passer, John, on est d'accord? Ah, c'est moi. Putain, je croise personne, ça me casse les couilles. Viens là, cousine. Il court trop, Léo. Attends, j'ai un client. J'ai pété un plomb. Et si t'as pas de chance, on change de truc. Hein. Je marche vers les clients et puis ils se barrent de l'autre côté et puis je les perds de vue. Oh, Papy Billy. Tu sais combien t'en as refourgué depuis que t'as commencé? Beaucoup trop. Blague. Tu crois si je sais que j'arrive pas à fourguer un seul? On devrait changer, non? Peut-être en premier Yankee. Vas-y, je viens chercher le reste dans la voiture. Même moi, il en veut pas.
Non, vas-y, c'est une folie avec moi. Il se barre. Pardon ? Il est derrière, derrière l'université. Je suis sûr qu'il vient de drift comme je sais pas quoi, je sais pas si c'est. Voilà, mais je vous le dis. Non, c'est moi. Non, c'était pas toi, Charles. Non, je ne l'aurais pas. Non, là, il y a John. Opération Valdingue. Attention, 3, 2, 1, 0. Attention. Il se rebarre ce con. Hein. Aucune pitié pour les voleurs. Un peu chier au niveau de ma colline quand même. Pas de doute. T'arrives à le choper ou... Non, saloperie là. Il m'a volé, ah le bâtard, il m'a volé. Il t'a refait voler? Ouais. Il. Oh, perso le mec, il m'a volé, John. Ouais. Quoi? Il vient de passer au-dessus de ma voiture? Camille, gros. J'ai un mec sur moi à côté du parking. Un voleur. Un de tes voleurs, Léo. Billy. En écrasant les gens, je suis pas sûr que ce soit vraiment discret par contre. C'est chez. Tu reviennes vers l'entrée. Je vais prendre ma bécane plutôt. Oh putain. Tu vas prendre ta bécane, t'es pas en guetteur toi? T'es où là? T'as réussi à vendre tout ce que t'avais? Si je suis en guetteur mais ma blister est remplie de sang. Elle est ta blister? On avait pas la... Oh je comprends plus rien. Ah, la seule mongole a resté derrière un arbre là? Pendant que vous êtes en train de taper vos meilleurs drifts et tout. Ah, c'est bon, je vois. Ah non, moi j'attends sur un parking comme un con, je te rassure. Ok, il y a une blista noire qui est en train de tourner vers l'université. On bouge ou pas? Monte, Alex. Fini de vendre. Bon, c'est bon. Ah, en vrai, on en a besoin. Ça sert à rien, hein. Vous êtes déjà en train de faire, va vendre.
Je vais recherche. Rechercher, j'ai fini, Billy. À côté du drapeau. Attends, parce que moi j'ai rien vendu encore. Rien, partage-moi, je vais t'aider les ventes. Et vous? Y'a une pizza, elle me casse les couilles. Ouais, une blista noire qui tourne. Ça vous l'aide, mec? Mec, je vois un mec courir là. Laisse-le, il veut pas. Je vois pas quoi à vendre. Au restaurant, j'ai rien vendu depuis le début. Ça me donne un peu, donne un peu. Tu es toujours à Bista, John? Pas vraiment là. De moi, John? Je suis en moto. BMX 5 en, qui tourne. Je crois que c'est celle-là que j'entends. Rouge. Le X5 tourner autour de l'université. Il m'a volé. Il arrive vers toi, Billy. Là, derrière toi. Blague. T'as vu la X5, John? J'ai vu une X5. Oh, c'est bon, on a une espèce de petite bagnole noire qui fonce autour de l'université. J'ai une filature, voir ce que ça donne. Ok, je l'ai clairement perdu. Hein. J'ai séché, Léo. Yo. Continue, tu vas voir, il est couché un peu là, devant toi. BMX 5, en face de l'université, vraiment en face. Récupère-moi, ça devient trop chaud. À moins que c'était toi, Billy. Non, c'est la Billy. Ah putain, j'ai eu peur. Tu sais ce que c'est que X5, John, ou pas? Le SUV de chez BMW. Est-ce que t'as roulé comme un cinglé tout à l'heure? Mais je roule tranquille. Ah, donc voilà. Donc tout à l'heure, j'ai bien vu un véhicule rouge filer à toute vitesse. Là. Oui, bah... Là, oui, c'est toi que j'ai croisé. Mais juste avant, j'ai croisé un autre véhicule qui filait à toute vitesse. Les véhicules roulent comme des tarés. Ok. Thank you.
Quoi, Léo? On m'en fout, ils veulent pas. Voilà, ça c'est un bon Yankee. Il n'y a plus que Léo là. J'ai bientôt fini. Faut juste qu'il prenne. Fais attention s'il te plaît en moto. T'inquiète, t'inquiète. Aussi, je m'inquiète. Je roule tranquille. Hein. Oh merde. Pas par un. Allez, c'est bon, on a fini. Attends, arrête-toi vite fait. Arrête-toi vite fait. Je vous confirme la présence du X5. Allez, on bouge. Je viens de le dépasser. Niveau. M5. Oh, M5, pardon. Le X5, c'était le mien, désolé. Oh putain, il me manque ce con en plus. Mais il y en a aucun qui vient me récupérer. On peut pas, il y a la M5 qui traîne. Ah ouais, il y a la M5 qui traîne. Ouais, pas obligé de lever le ton, hein, par contre. Pas lever le ton. Tu peux quand même. On va la récupérer. Ouais, mais j'ai pas de temps. Ah merde. Attendez, calme-toi. Ah, c'est vraiment chaud.
c'est bon, j'ai Alex, je viens, tu peux y aller. On se retrouve où? Bahamas. On peut aller au Bahamas. Y'a la RS qui est là. Ah putain, c'est chier. Et comment il va, lui? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Tu te balades en moto. Salut Léo. Ça fait plaisir. Justement, je voulais m'acheter une moto, mais elles sont trop chères. Ah, ça, c'est très con. Ouais, ouais. Du coup, j'ai mis toute ma thune sur les sur la crypto. T'as pas fait ça. Tu sais que tu vas perdre de l'argent. Bah oui, mais... Tu sais, je vais te dire combien j'ai. J'ai 4900. Alors, pour avoir une moto, c'est chaud. Mais vous êtes pas payé à la LSPD ou quoi? Bah, 48$. Les 15 minutes. Et vous avez pas de paye en fin de semaine? Bah non. D'accord. J'adore ton job. Bah, j'adore aussi. T'as vu, c'est fou. Hein. James, Billy. On arrive, on est parti changer avant pour être caresse le. On va à la fête foraine. Tu veux la fête foraine? Mais ouais, mais. Alex, est-ce qu'elle peut faire des trucs aussi? Bah, ouais, c'est pas cool pour Alex. Il a tiré la carabine. Hein. Faut voir avec Alex, mais. Après, on n'est pas obligé de faire des choses, on peut juste voir ce qu'il y a. Ouais, c'est pas faux. Putain, c'est qui a bougé mes cerises? Qu'est-ce que tu fous avec des cerises, toi? Rien, rien, t'inquiète. Il y a des trucs bizarres encore. Putain, mais toi, mais va te faire voir avec tes merdes. Moi, je vais te goumer. Vous avez pas de coffre sur votre moto? Elle est fermée. Non mais pour vous, parce que je vois vous mettre si. À côté. Si. Et vous savez pas l'utiliser. Mais on met pas à côté. C'est quoi le sac qu'il y a par terre? Ben c'est Léo ça, c'est sûr. Quoi ton sac par terre? Et salut. Ah, et la beuh. Ah, Alex. On peut parler toi et moi s'il te plaît mon chat? J'ai fait quoi encore? Non, viens, c'est au sujet de ce que je t'ai demandé tout à l'heure. T'es puni! Fuck
quoi dans le sac. Des cerises. Ça reste qu'il nous refile sa merde. Je vais avoir du coup le compte dans le coffre. Tu vas voir. Oh, on a bien vendu. Putain. Ah merde. Lâchez-moi. Et lâche-moi, saloperie de coffre. Léo, tu peux me porter? Merci. Allez, au dodo, toi. Ouais. Ouais, juste qu'on débrief. Par contre, on a une chatte, mon pote. Pourquoi ? Oh, ils sont passés juste à côté de nous. M5. Ouais. Mais c'est à qui la M5? Commandant, je crois. Ah ouais? Ouais. Non, je le savais même pas, tu vois. Il est passé tout doucement devant moi. Quand il, tu vois, parce qu'il est arrivé, il a ralenti. Mais il me semblait bien là, il me semblait bien avoir vu. Quand il est passé à côté de nous, en fait, il a ralenti un petit peu, je pensais qu'il allait nous arrêter. Et tu sais que tu m'as mis le doute quand on s'est croisé. Non. Mais non, finalement, je l'avais bien vu. N'oubliez pas de fermer les portes. Oui, attends. Alba. Ah, Alba. Voilà. Oui. Mais tu me parles. Ok, c'est bon, je vois c'est qui sa fille. Adoptive, du coup. Ouais. Et sa femme, c'est elle les a adoptés avec lui ou pas du tout? Ils sont mariés, donc. Mais c'est pas obligé. Ça peut être celui qui les a adoptés et elle qui. Ah non, ils les ont adoptés ensemble. D'accord. Ok. Et adopté, t'es sûr? Bah moi c'est ce qu'ils m'ont dit. Ok. Parce que moi j'ai une info que c'était. Pff, ouais, tu me diras en vrai. Ok, pas de soucis. Tu veux boire quoi, Arès? Vodka. Tu peux me faire la facture, John, s'il te plaît? Faut que je me mette en service. Merci, fais-moi la facture. Non. Si. Ah mais faut être en service, sinon c'est pour vous les factures. Non, mais... C'est là à moi. Ouais, voilà. Mais. Non, ça va super bien. T'es fatigué? Bah, tu sais, avec la fin de grossesse, ouais.
je veux pas déranger donc. Tu déranges pas. Puis il y a papa là-bas, il y a papa et maman. Ouais, mais bon, c'est très bien que ça a toujours été un peu électrique entre eux et moi. Ouais, sauf que tu sais comment ils sont, ça a toujours été électrique aussi entre eux et moi, mais ils nous aiment. Oui. Et papa, c'est surtout parce que voilà, son frère lui manque et il le voit en toi. Et Arès, t'as appris la nouvelle ? Non. C'est chez moi. Je reviens. De quoi c'est chez toi ? Ouais, ouais. Le Bahamas, c'est chez moi. Et tu me le dis que maintenant ? Ah, désolé, on s'est pas encore recroisé depuis un moment. Hein. Oui, c'est pas faux. Bah, t'aurais pu m'appeler ? Le dernier message que j'ai de toi, tu sais ce que c'est ? C'est de l'argent. Non, plutôt. Les soirs d'avant. Attends, hein. À partager sa position. Oui. $1000. Bon, quoi qu'il en soit, les dernières infos que j'avais de toi, c'était que t'étais ta tronche encore à l'hosto. Pardon. Ah, t'es là. Et j'ai failli encore y aller en plus ce soir. Je vais t'en mettre une, Arès. Tu peux pas faire attention. C'est faux. Ah, c'est très bien, je suis casse-cou moi aussi. Ouais, mais fais attention quand même. Casse-cou et casse-couille. Ah, plus casse-couille que casse-cou, mais ouais. Ah, sympa. Non, je rigole. Hey, pour le peu que je te vois, j'ai bien le droit de t'embêter. Hein. C'est pas faux. Ah, putain. Ah, oh, je suis fatigué moi. Et toi, ça donne quoi ton boulot à part ton salaire de misère là ? Bah, il y a eu un exercice de prise d'otage. Ah ouais ? Ouais. On a eu un braquage. Là, par contre, c'était pas un exercice. Ils vous ont dit ceci n'est pas un exercice ? Bah non, mais c'est surtout que les personnes n'étaient pas bien en LSPD quoi. Ah bah oui. Et... Donc bon. Donc forcément, ceci n'est pas un exercice. Oui. Voilà, et puis surtout que c'était pas le commandant, quoi. Là, je te jure. Oh la vache. Putain, les motos qui sont grave chères, là. Oui. 30 000, la moto. Ouais, c'est cher. Connard, refaire encore une porte et je te bute. J'aurais jamais de nouveau véhicule, moi. Mais il faut économiser, Arès. Ou alors il faut un meilleur métier parce que je fais que économiser. Mais donc la LSPD se plaigne hein, qu'elle n'a pas de salaire en fin de semaine. Si vous dites rien aussi. On est sur la série d'Ocu qui m'a gratté. Passion. Non, ça va sur ça, sur le coup. Ouais, mais bon, par passion. Hein, et, je crois que j'ai vraiment. Si c'est trop dans le cul qui. Ah oui, il a encore les cicatrices par contre. Je crois que je vais vendre ma voiture. Non, vraiment, c'est pas une solution. Démissionne et viens travailler avec nous. Hein. Ouais, je peux pas démissionner du jour au lendemain comme ça. Bah, en soi aussi. Il faut un préavis. Ça dépend. Ça va faire 3 mois que je suis là, enfin que je suis à l'SPD. Toujours pas été augmenté ou quoi que ce soit, c'est bon quoi. Eh ben, t'as... Pourtant, je suis un bon agent. Que... J'ai mon manager barman qui aimerait te recruter. A priori. Hein ? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Ouais, mais j'ai mon manager barman, apparemment. Elle a l'air très intéressée de t'embaucher. Hein. C'est qui ? C'est Alex. Ah ! Comment ça, t'es manageuse, toi ? T'as vu ça ? Ah là, t'as pas les chevilles qui gonflent ? Non, ça va. Bah si, mais c'est à cause du bébé. Oui, mais je veux dire, hors le bébé, quoi. Mais il y a tout qui gonfle à cause du bébé, ça me saoule. Oh là. Je suis moche, regarde comment je suis. Redis-le encore une fois, vas-y. Je suis moche. Tais-toi. Je suis moche. Écoute-moi bien. Écoute-moi, regarde-moi bien dans les yeux. Je suis une baleine, je suis moche.
je me casse. Non, je rigole. Je suis belle. Oui. Viens, on va faire du tir à la carabine. Non, on va faire du tir à la carabine. Bah en fait, il y a plein de trucs. On y allait voir avec 29 tout à l'heure. Les garçons, ça vous tente? Et le problème, c'est que toi, tu pourrais faire quoi de tir à la carabine, quoi. Mais je m'en fous. Pour on faire quoi, Alex? À la fête foraine. Ok, bon, on va se coucher. Minuit et demi. Et après, vous pouvez y aller. Bah, tant pis, je devais me coucher, mais pas grave, au pire. Mais non, viens, on y va, allez, on y va, allez hop, on y va, demain. On y va. Non, reste, on ira demain, on ira demain. Bref, moi je dors au Bahamas. Tu vas faire dodo au Bahamas? Ah, ça me saoule. C'est fermé. Ah putain, la porte est fermée. Ouais, faut que je prenne la fin de mon service. Ah putain. Je vais conduire un peu, je reviens. Enfin, je vais dormir autre part. Ah non, 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 non. Ah, hé, hey, John, s'il te plaît. Tu vas dormir où aussi? Je sais pas, je verrai. Je vais regarder. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Oh là là, mais vous êtes chiant. Ah bah, on est des mecs, hein. On est des mecs. Qu'est-ce qu'il y a? Mais au courant qu'on le sait quand ça va pas. Mais laissez-moi tranquille. Mais on voit très bien que ça va pas. Mais ça... Oh, vous cassez la tête. Ou... Arrête, Alex. Mais qu'est-ce qu'il y a, John? Mais on voit très bien que ça va pas. Mais ça va. Qu'est-ce qu'il y a, James? Je suis juste fatiguée, ça va. Juste fatiguée, vous inquiétez pas. Tu voulais aller faire un tour là-bas? Non, c'est bon, t'inquiète. D'accord, un peu de temps si tu veux. Hein. Non, c'est bon. Moi, je suis vachement de sa copine, lui, par contre. Moi, j'ai pas dit non, tu le sais. Non, mais il se soucie vachement de sa femme, lui. Il est où? C'est une blague. Ben, il est parti. Ah, d'accord. C'est une blague, là. Dis, Billy. Ouais. T'as pas oublié ta femme et ta fille? Non. Non, c'est une blague. Changer la caisse. Hein. Ouais, c'est ça, mytho. Et quoi? Attends deux secondes. Excusez-moi, je suis... C'est ça, il est parti ranger sa caisse. C'est pourquoi il est parti ranger sa caisse. C'est bon, il casse les couilles. Non, merde, arrête, il est pas. Ouais, je sais pas, moi je. En fait, on fait quoi du coup? Je sais pas. Moi je trouve ça débile que Billy vient pas avec nous, mais bon, tant pis. Bah si c'est pour faire un truc ensemble, autant qu'il vienne quoi. Mais oui, mais il va se coucher donc ça sert à rien. Donc en pire des cas, je sais pas. Il va dormir. Mais oui, Billy. il va dormir, laisse-le aller dormir. Je sais pas. Comme je dis, c'est pas parce que moi j'y vais que vous. Et on a compris, Billy. Que ça fait trois fois que tu nous le répètes, on n'est pas teuteux, on a compris. Donc vas-y, va dormir. Bonne nuit. Bah, bonne nuit. Salam. Subhanallah. Super pour refaire des liens, c'est génial! Mais qu'est-ce qui se passe? Compliqué. Elle est sortie en amoureux pour refaire des liens, génial.
Qu'est-ce qui se passe? Du coup, on fait quoi? On y va vite fait à la fête foraine? On shop game gang ou pas? Vas-y, on peut sortir gang gang. Vas-y. J'irai juste changer. Ouais, moi aussi, parce que... on va y aller comme ça. C'est ma tenue Bahamas, et ça. Je veux pas. Vas-y. Oh, ça fait longtemps. Voilà, voilà. C'est moi qui conduis, j'ai besoin de... Eh, Arès, il va... Mais... Arès ! Oui ? Tu viens dans Gang Gang. Pourquoi ? Bah parce que viens dans Gang Gang. Mais moi, je peux faire échapper mon terrain en deux minutes. Je veux faire échapper... Bon, allez, je me casse. Oh non, 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 non. Alors, dépêche-toi. Laisse-moi conduire. Mais du d'amour. Ah oui, donc il se barre vraiment en plus. Pas de ma Dumes. Pas de bisous, j'aime de tout mon cœur. Vas-y. Mais laisse-la conduire un petit peu, toi. Non, là, en vrai, j'ai pas la... Vas-y. Bon, elle a changé un petit attention. Coup. Arès, on est d'accord, t'es plus en service. Oui. Ok. Mais fais attention, j'ai toujours ma caméra. Oh. On s'en fout de ta caméra. Je le dis, moi. 99 pour 61. Elimia, sors. Sors, Mia. Oui. Oh bah dis donc. Oh bah ça vaut pas le... Voilà. Arrêtez de nous faire chier celui-là. Ah merde. Ah bah du coup je l'ai peut-être allumé. Magasin de vêtements, là. Ah bah là elle est allumée. Hein. Ah bah non mais rien t'as là. Ah bah non. Ok je vais le faire moi-même. Oh. Eh attendez. C'est quoi ce bruit? Il y a eu un tir. Mais oui. Il y a eu un coup de feu, on est d'accord. Oui, il y a eu un coup de feu, vas-y fais demi-tour. Ah bah non, il va pas faire de vidéo, on va pas... Vas-y, vers les coups de feu, ah. Si, t'inquiète, je m'en occupe. Vas-y, je m'en occupe. Non. Arrête-toi. Par contre, on peut quand même faire de foraine. Je crois que c'est un super hit. Bon, de toute façon, si on voit trois véhicules de flics débarquer, on saura pourquoi. Ah ouais? Et... On voulait aller se changer avant, du coup. Ah ouais, mais il est con, hein. Il est con, mais... Et dites-le. Ah bah, t'es con, hein. On te le dit, là. Oh. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ah putain! Pardon? Tu sais que t'as un contresens, là? Non, c'est pas vrai, t'es un menteur. Bah oui, tiens. Moi, agent de l'élection dimanche. J'aime personne. Allez. Comment on était synchro? Allez, lui, il s'est recassé la gueule. Pourtant, ici, c'est pas lustre. Hé, monsieur propre. Benjo. Badjou. Badjou. Que pour toi la tenue. Oh là là, cette tenue. Attends, il y a Corrèze qui doit monter et je vais monter derrière.
Il va se manier celui-là. Je vais aller chercher, tu vois. Un pot des fesses. Arès ! Oui ? Dépêche-toi. Oui ? Dépêche-toi. Oui ? Oui. Oui. Dépêche. Qu'est-ce que tu cherches ? Pourquoi tu fais la gueule ? Un truc qu'on met autour du cou. Il cherche un truc pour mettre autour de son cou. Je crois qu'il veut se pendre. On va chercher un collier avec des clous. Je crois qu'il y en a marre de la vie. Ah, ah bah non, le voilà. Tu montes devant. Non. Si. Pourquoi ? Mais parce que tu montes devant. J'en ai marre de monter devant. Ça va, Léo ? Eh bah oui, et toi ? Allez, on y va. Te trompe pas de prendre la main. Hein. Là, je vais le... Il va reprendre une, Alex. Ouais, t'as aucune chance en course-poursuite avec 95, toi. Si tu les prends comme ça, tes virages... Voilà, voilà. Je vais t'apprendre à conduire. Oh, dommage. Dommage. Bon. C'est ça, la fête foraine. Bah écoute. Oh, il est trop mignon, lui, là-bas. Ça va, Res ? C'est très ressemblant, quand même. Hein. Attends. Demande à Res qui se manie de venir à côté de moi deux petites secondes. J'ai besoin de faire une comparaison. Mets-toi vite à côté de John. Arrête. Non, Res, il est pas sur la truc. Res, viens voir. Il veut plus descendre. Arrête tes conneries. Allez, descends. Je peux pas. Ah, ça va décoller. Ah, oh putain, okay. Le con. Oh putain, le con. Mais venez voir, venez voir. On est d'accord que c'est très ressemblant. Venez voir. Entre Arrête et lui, oui. C'est son frère jumeau. Là, regardez. Ouais, c'est son c'est frère. Lui. C'est Arrête. Oh putain. Arrête. Mais il va mourir. Hein ? Il va mourir. Mon cousin, il va mourir. Non. J'espère qu'il est résistant. Il a peur de tout ça. Arrête. Ah, oh, mais il est très con. Viens, Jums. Viens, Jums. Là-dedans, tu vas peut-être pouvoir faire. D'accord. T'inquiète, on foncera dans personne. Je peux faire ça, vous êtes sûr ? Ouais. Alors, logiquement, non. Dedans. Mais on se fonce pas dedans. Ok. Putain, Combien de temps vous voulez ? Combien de temps sur la piste ? Elle est rouge ! Mon automobile est rouge ! Elle est rouge ! Combien de temps sur la piste ? 15, j'ai mis... Enfin, j'ai mis le premier, là, 10 minutes. Allez, c'est parti ! Ah, putain, elle est rose ! Dieu ! Ah, moi, elle est bleue. Moi, elle est rouge ! Ils ont trop su que j'étais... C'était... C'est un sac ? Putain, vous foncez dedans, je peux pas, c'est nul. Aïe ! Oula, ça va ? Aïe ! T'as vu comme moi ou pas ?
Aïe, sale con! Attends, viens là. Oh putain, ça m'a chié. Oh non, j'ai plus de... Oh non, j'ai fini. Mais revenez, il me reste du temps, moi. Reste combien de temps? Il me reste 500 secondes. Mais t'as pris combien de temps, frérot? 10 minutes. Bah lui, il a craqué. Il a pris 10 minutes. Alex. Bonsoir. 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 Ça va alors, ça... Super. Oui, vas-y. Ça va, vous? Ça va très bien, et vous? On est venu s'amuser. Mais écoutez, on fait du manège, je vais leur faire voir là, un peu le toboggan, là, le parc aquatique. Oh, bah amusez-vous, allez-y. Ouais, on y va, là. On y va. Pardon. Allô? T'es où? T'es bloqué? Ah mais non, mais il est encore dans le manège, ce con. Attends. Il a appelé ce con. Il est bloqué, je crois. Il est plus assis, là. Il est plus assis, là, non? Oh non, il me tue. Attends, je vais l'appeler. Soit debout dans les manèges. Il est con, dis-lui qu'il s'assoit, sinon je le défonce. Oui? Arès, tu es prié de t'asseoir dans le manège, s'il te plaît. Dis-lui qu'il s'assoit vite, sinon je le défonce. Sinon on te défonce à ta sortie. Je peux pas, là. Ah, tu peux pas? Ah. Mais je suis pas assis dans le manège, je suis pas debout dans le manège, je suis. On m'appelle Houdini là en fait. Ah ouais? Ah non, bah nous on te voit dans le manège. Je suis pas du tout dedans. Ah ouais? Parce qu'il se voit où lui? Ouais, je suis Houdini. Je fais de la magie. Et t'es bloqué dans le manège? En fait, j'hésite à avancer. J'ai peur de tomber. Ok. Il est bloqué ou pas? Bon, tant pis, je sais. Bah, apparemment, il a l'air bloqué. Ah, ok. Bon. Bloqué ou pas? Bah, alors, t'es bloqué? Ouais, bloqué. Ça va redescendre. Ça devrait redescendre, t'inquiète pas. Normalement, demain matin, ça redescend. Ça a pas l'air, dites pas, sinon je fais ce qu'il faut. Ah, je vais l'attraper, celui-là, tu vois. Ouais, mais... Non, mais je vais l'attraper, le monsieur qui vend les billets, moi, tu vas voir. C'est un connard. Je vais reporter ça à la police, moi, tu vas voir, ça va être vite fait. Voilà. Ah, c'est bon. Ah. J'étais dans là, ici. Ah bah non, on te voyait là-haut, mais debout. Eh bah, c'était ça. Oh putain de merde. Allez, on en fait un autre. Il est où le truc de la carabine? D'abord. Attends. Non, j'ai peur que ça s'arrête jamais, ce truc. Oh, bonjour. Oh, waouh. Ah, pardon. Aïe. Pardon. Et c'est pour faire quoi, ça? Tirer à la carabine. Ah ouais? Oh, de merde, les gars. Ah. Faut tirer aussi. Hein. J'ai raté à cause de toi. Raté! John, j'ai raté! Oh là là! Après, c'est à mon tour. Ah, il y a le bateau pirate! Ah, mais tu peux pas ça, pour l'instant. Bientôt. Promis. Déjà, on doit se mettre notre race et en plus, on va venir s'éclater. Et Arès, lundi, on se fait la promesse. T'as perdu. Ah, 8, 5. Ouais, ça... Ah, je suis nul. Ouais, je vais faire le bon. Vous êtes où? Visite.
c'est nul, on peut pas acheter de la bouffe. Ah, ça, tu peux le faire, je pense, Alex. Oui, ça, je peux le faire. Bon, on va aller voir. Non, il est pas sur la radio, ce con. Bah, tant pis, hein. On est tous attirés, on s'attend. Attends. Attends-moi, Arès, Silou, Arès. Arès, prends un ticket. Vite, prends un ticket. C'est quoi déjà la radio? Attends, on va en prendre une nouvelle. C'est 14-03. Non, c'est 12-09. Ah bah, je suis dessus. C'est 12-09. Test radio. Ouais, on t'entend. T'as pris ta... T'as pris ton ticket? Oui. Allez, dans celui-là. Tout le monde à poil. Oui. Non, rabite pas. Arrête, on a pas le droit d'être à poil. Oh là. Mais non, mais lui. Dis-toi. C'est trop bien. Oui, c'est trop bien. C'est bien, ça regarde pas du tout, du coup. J'avoue, on se regarde pas, on peut pas discuter tranquillement là. C'est pas grave, on peut ne pas se regarder. Tu peux, hein. tu peux rester comme ça, c'est très bien. On peut ne pas se regarder. Hein. C'est très lent comme attraction. Hein. Ah ouais. Bah, regardez ce qui se passe derrière vous. Merci. Oh, il y a un yacht. Un yacht. Un yacht. Un yacht. Et pourquoi on a arrêté là? On n'est pas arrêté. T'es con toi? Oh. On a une nouvelle cadette, elle est speedy, maman. Bref. Allez, monte. Allez. Et elle s'appelle comment votre nouvelle cadette? Lucie. Pas un nom de pute. C'est quoi une pute? Tu demanderas à ta mère. Alex, c'est quoi une pute? Tu demanderas à ta mère. Demande à Léo. Elle est morte. Demande à Léo. Léo. Ouais. Pourquoi ça a arrêté? C'est quoi une pute? Demande à John. John. Ouais. C'est quoi une pute? Non, j'allais dire quelque chose, mais non. Tu sais qu'on a les oreilles sensibles. Ouais. Tu forces. Ouais, oui. Ouais donc j'allais dire une dinguerie. Là, en plus, dans les 4, on est 4 sur 4 à avoir les oreilles sensibles. Non, mais sur ça, c'est normalement, il n'y a pas de soucis. Oh, ça reste un gros mot quand même, chérie. Ouais, mais normalement... C'est... Vous pensez ça qu'on passe. Arrive à la fin quand dans 3 ans? Je sais pas quand on va atteindre le... Non mais attendez les gars, quand on va atteindre tout en bas pour sortir, Mia elle aura déjà 18 ans les gars. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ben dis donc que le temps passe vite. Ah oui, t'as vu ça? Et oui. Pourquoi il s'arrête ce con? Pour faire monter les autres cons en bas. Elle aura 18 ans, Alexandra sera mariée. Ou pas. Vu comment c'est parti ou pas, peut-être avec quelqu'un d'autre. Et on voit les toboggans ici. J'avoue. Ça aussi, j'ai hâte tellement de faire. Eh, les gars, quand j'ai accouché, on fait tout ça, ok? On fait toutes les attractions. On est ouf. On s'emmerde hein, quand même là. Eh ben, ça t'en va, enculé! Assis-toi et viens, on parle. Je sais pas, on peut parler de quoi? Oh putain, jetez-le en bas. Bon, les garçons, faut que je vous dise un truc. Faut que je vous avoue un truc. À Pagnon. Ta gueule. Je vais le jeter en bas. Je vais pas le dire devant Billy parce que Billy, la dernière fois que j'en ai parlé, il a commencé un peu à s'énerver, on va dire. Jums. Tu feras gaffe, hein. T'es comme moi. On a un nain dans l'attraction. Oh putain de merde. Mais donc, du coup, j'ai demandé à Arès de trouver des informations sur Geoffroy. Ok, est-ce qu'on en a eu? Ça fait, alors je vous explique pourquoi je lui ai demandé ça. Ça fait
des semaines et des semaines et des mois que j'ai plus aucune nouvelle. J'ai essayé d'appeler Louisel News, ça répond pas. J'ai essayé d'appeler son portable, ça répond pas. Plus rien ne répond, ce qui n'est pas normal venant de Geoffroy. T'as essayé Louisel News de cette ville ? Oui, y a rien Louisel News de cette ville. Du coup, je vous avoue que j'ai un peu peur de ce qui a pu se passer ou je ne sais quoi, étant donné que l'autre m'avait avoué que c'était le Valais. Apparemment, Stein était au courant que c'était le Valais. J'ai peur pour la vie de Geoffroy. La dernière fois, j'ai juste parlé en disant que Geoffroy me manquait. Billy a commencé à s'énerver un petit peu. C'est pour ça que j'en ai pas parlé avant. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, entre nous. Et moi, les choses que je peux donner, c'est que faut faire une demande au niveau de la LSPD et de Washington pour avoir des informations. Au-delà du Valais, c'était quand même Geoffroy Le Hardy. C'était un de mes meilleurs amis, c'était mon patron, c'était celui qui a été plus d'une fois là à me réconforter quand ça allait pas. Certes, nous on l'a malheureusement connu en tant que Valais aussi. Mais au-delà de ça, moi je voyais surtout la personne à qui j'aimais parler, donc à Geoffroy. Et il me manque, je te jure, il me manque trop. Le truc, c'est que je le sens mal, je te jure, John. Je le sens très mal. On va continuer à faire nos recherches. Bah, comme j'ai dit à Alex, je vais lui expliquer comment... Ah, voilà. Mais je vous jure, si il a osé toucher à Geoffroy, je le retrouverai. Je vous le promets. J'espère que Stein n'y a pas touché. Il n'a pas intérêt. Parce que ça voudrait dire que ce soit de ma faute. Comment ça, c'est de ta faute? Arrête. La faute de personne. Je suis pas au courant de l'histoire, mais c'est de la faute de personne. Dis pas ça, je t'en prie. John. Bonjour, madame. Vous avez des gros nichons. Bref. Mais pardon? Hein? Non, j'ai rien dit. Viens, John, avec moi. Je vais parler un peu avec John. Je peux toucher, madame? Mais hé, c'est des attouchements sexuels, hein, gros con. Non, je lui demande. Viens. Pourquoi tu dis que c'est de ta faute? Alex, si vraiment c'était lui le valet, si Stein le sait, alors Stein sait parfaitement à qui s'en prend. Le valet... Pourquoi tu dis que c'est de ta faute? Est-ce que tu te souviens de l'erreur que j'ai fait? Oui. John, un moment ou un autre, Geoffroy aurait compris qui était derrière le masque de Bonelli. Crois-moi qu'il aurait compris qui c'était. C'est pas de ta faute qui aurait fait que. Il était très fort, Geoffroy. Il avait toutes les informations possibles. Je sais bien, mais quelque part, un peu comme si j'allais précipiter. Non, arrête. Je veux pas que tu te mettes ça en tête. C'est hors de question. J'ai dit au-delà de ça, Geoffroy, c'était un ami. C'était l'ami de tous, Geoffroy. C'était Geoffroy. C'était vraiment l'ami de tout le monde. Il avait ses défauts, hein, comme beaucoup de personnes. Mais c'était l'ami de tout le monde. Et je t'avoue que j'espère qu'il lui est rien. J'espère aussi. Arrivé. C'est parfois la vie à Atlanta me manque. En fait, je dirais pas que c'est la vie qui me manque. C'est certaines personnes. On a créé des liens forts là-bas. Ouais.
Il y avait Geoffroy. Il y avait Marcel. Il y avait Billy. Il y avait Dudou. Même les hosties me manquent. Et pourtant, tu sais à quel point, à la fin, j'avais très peu confiance en eux. Ouais, je sais bien, mais on avait des attaches malgré tout. Hein. C'est ça. J'espère qu'ils vont bien tous. Que la vie en prison pour Wild, bah, c'est pas si difficile que ça. Tu sais que parfois je regrette d'être partie. Je te rassure, moi aussi. On n'avait pas le choix. Au moins, ce sera une meilleure vie pour Mia ici. Parce que je sais pas si elle aurait été heureuse à Atlanta. Avec les Bonelli, avec tout ça, je sais pas. Avec les menaces qui planaient sur moi, sur Romano. Je sais pas. Nous tous. On était tous en danger. À tout moment, Stein pétait un plomb. Il t'avait reparlé après ce qui s'était passé ou pas? Je me souviens plus très bien, mais il me semble ne pas avoir l'avoir recroisé. D'accord. Tu vois, rien que pour ça, je me dis qu'heureusement qu'on est là. Ah si si, je l'ai recroisé. Si si. Et c'était passé comment? Bah c'est Stein quoi. Lui il oublie. Pour certains, c'est marqué à vie. C'est là vraiment la meilleure décision que je vais faire. Au fond, cette blessure, ça te fait encore un côté plus séducteur. Ça fait bad boy. J'essaye de nous protéger auprès de Billy. Bonne nuit, fais attention à toi et à demain, bisous. Et à demain, bisous, je t'aime, Bibi. Moi aussi, je t'aime. À demain, John. À demain, Arès. Bonne nuit. À toi aussi. Tu m'as dit quoi? Je fais tout pour essayer de nous protéger auprès de Billy. C'est compliqué. C'est compliqué. Je sais. Je sais. C'est dur tout ça. Quand t'as le cœur qui balance entre deux hommes, c'est horrible. Chaque jour qui passe. Je te jure, John. Et comme je te dirai toujours, n'oublie jamais ce pourquoi je me bats. Je sais. C'est nul l'amour quand même. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué, nul. Et ça fait mal, parfois.
L'amour, c'est aussi ça. Les hauts et les bas. Ouais. T'as fait ta valise pour demain ? Non, pas encore. Mais alors, vous êtes vraiment des hommes. Hein. C'est toujours tout au dernier moment. Toujours au dernier moment. Ça, ma valise, elle est prête depuis un moment et celle de Mia aussi. Hein. Bon, t'inquiète pas. Ça va être vite fait. Un caleçon, une chemise, un pantalon. Ah, pas de t-shirt ? D'accord. Non, reste comme ça, c'est très bien. Allez, viens, on va rejoindre Léo. On va aller dormir. Putain. Si je tombe... Non, c'est bon. Allez. Ciao. 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 Et ça complique tout. Allez. Tu sais qu'il y a Billy derrière. Arrêtons de penser à nous. Pensons à elle. Bah je sais, elle. C'est compliqué, quoi. Allez, viens. On y va. James. Ouais. Ah, t'es où? Il me dit ouais, je t'ai dit t'es où? Vous êtes où vous? En bas d'un manège. À côté de la piste d'auto là. Faut pas rester au milieu monsieur, c'est dangereux. Ah oui. Mmh. Faut bouger monsieur. Bouge. Tu vas me taper? Mais pardon. Oh wow. Bien. On me tape pas moi. T'as loupé Jules. J'ai mis un coup de boule à un mec qui est tombé par terre. Tiens, seul con. Fred, viens là toi. Arrête, tu vas le tuer. Adieu. J'ai mis un coup de boule au mec là parce qu'il m'a poussé. Alors que j'étais juste en train de lui dire que c'était dangereux de rester au milieu. Ah bah là il fait dodo. Je conduis. Alors là. Mais James. Non. Putain, désolé. Casse-toi de ma bagnole, casse-toi de ma bagnole, dépêche-toi. Vite, monte. Pousse-toi. Et James, j'ai gagné. James, c'est l'amour que j'aime. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Allez, moi. Je ne monterai pas dans cette voiture. c'est pas grave, on s'en va. Attends, passager. Sale bâtard. Comment ça, pas en tant que passager? Monte. Je veux conduire. Monte. Ah putain, je vais le porter de force. Vas-y, va le défoncer. Vas-y. Vas-y, John. Montre-moi que t'es un bonhomme. Vous êtes des gars. Vous êtes des enfants. Allez, montez. James, tu montes.
Jim, s'arrête de faire ton bébé, monte. Et John, allez, attrape-le. Mettez un point sur l'hôtel, vous savez, l'hôtel où on, y a le, où on va en aller d'habitude. Attends, on va là d'abord. Oh, sinon, on fait 2-2 dans le Bahamas. Hein. Non, on va avoir mal au dos après. J'avoue, on va dormir où après. C'est vrai, il n'y a pas de lit. Allez, on y va. C'est pas tout ça, mais... Bah oui. Que c'est pas par là. Mais non, mais. Oh. Ah oui, je crois que c'était vraiment pas par là par contre. Non. Ah, dis-moi si je me trompe, hein. Mais normalement, fallait prendre le pont, ouais. Eh, on le prend quand même, le pont. Ta gueule ou je descends et je te fracasse la tête. Ah non, si tu descends, il va te voler ta place. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ma ging ging. Par contre, il est parti avec quelle voiture, Billy? La sienne, avec il a la pris sienne. La fugitive. Ah, mais d'accord. Attends, passe. Arrête-toi. Mais non, mais arrête-toi devant. Et tu te calmes, toi? Tu te calmes, Martine? Aïe! Ah. Oh, oh, ça va et je surjoue bien, hein. Ah ouais, non mais... Là, vous êtes arrivés. Aïe, 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 aïe. Ouh là là, aïe, 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 aïe. Ouh, aïe, aïe. Ouh, aïe, aïe, monsieur. Ouh, aïe, 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 aïe. Arrête, connerie. Mais je peux pas acheter. Si, si, tu peux. Ah non, il est devant. Ah. Le mec, il peut pas me donner les. Allez. Bonne nuit. Si. Ouh, aïe, 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 aïe. T'es pas marseillais, toi. Ouh, aïe, 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 aïe. Il est malade. Ouh, aïe, aïe, aïe. Ça va? Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! James! Putain, ah, je vais avoir une bosse! Ah, c'est sûr, j'ai une bosse! James, on est d'accord qu'il est con! Aïe aïe, j'ai une bosse! Il est vraiment con! Ah, je le sens là, ça pousse là, comme un œuf de dinosaure là! T'as mieux de mon front! Non, attendez-moi! Oh putain, ça tourne un petit peu quand même! Non, non, non. Attends, oui, quand même, attends, j'ai déjà une bosse sur le front, là. Tu mets le point sur l'ancien hôtel, là. Merde. Ah putain, j'ai mal à ma tête, du coup. Bah, t'as vu comment tu t'es jeté sous mes roues, sale con? Ouais, ouais, ça va, c'est plus moi qui suis venu me claquer contre la voiture que la voiture qui est venue m'écraser. Oui, mais c'est ce que je dis, j'ai été con. Ouais. Attention, mais c'est pas nouveau, hein. Je vais voir combien je peux la monter. Bah, à 4. Hein? À 4. T'es con, pour ma parole. On peut monter à 4. Non, mais la montée en niveau... Oh, putain, ta gueule. Fais chier. Non, mais... Je trouve qu'elle a perdu en puissance par rapport à avant. Mais ouais, c'est bizarre. Ouais, elle était plus rapide que ça avant, je trouve. Ouais, bah, ça a changé un truc? Non. Et non, au niveau des pertes, t'as quoi dessus? Elle est full. Elle est full, là? Non, non, elle a pas le boost. Si, si. T'as le turbo? Non, t'as pas le turbo, si, c'est pas possible. Non, non, il s'est arnaqué sur le turbo, il y a même pas de bruit de turbo. Faudrait que je retourne le voir. Bah si, hein, y a le turbo, ça fait paf derrière. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, mais t'as passé. Je m'en suis rendu compte après. Le turbo sur Chloé, tu l'entends.
Oui, bah sur ma blista aussi, mais... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Je sais même pas où il est parti dormir, Billy, du coup. À la belle étoile. Ah. C'est à qui cette voiture rouge, elle est belle. Arrête. Il est malade, lui. Il est con. T'es con, hein. Qu'est-ce que t'es con. Allez, dodo. Eh, t'as pas oublié quelque chose? Mais venez. Mais non. Jules, tu m'as fait tomber. Saute dessus. Mais je t'ai ah, t'es méchant. Non, t'es mais méchant. T'as marché dessus. T'es au courant? Moi, je dors en bas. Mais non. Putain. Ah oui, là, tu peux. Là, clairement, tu peux. Hein. Oui, mais tu dors à côté, maintenant, viens. Ah, d'accord. Je t'ai pris une chambre. Ah ouais, à côté de ta chambre, non, en non, fait. Non, 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 non. Mais non. Ouais, non, mais ça, c'est ma chambre, en fait, je l'ai pris hier. Putain. Descends. J'essaye. Allez. Doucement. Doucement. J'arrive pas. Doucement. Tout doucement. Doucement, j'ai dit. Gueule, ça. Merci. Allez, câlin. Tu me fais plus la gueule, James. Non. Sûr? Non, non. Alors, un gros câlin. À demain. À demain. Fais de beaux rêves. Et toi aussi. Merci. À demain. À demain. Fais de beaux rêves. Mais toi aussi. Merci. Et à demain, les garçons. À demain. Des bisous. Ah, on va se battre là. Non, mais là, tu vas dans ma chambre là. Ah, mais t'as la 39, toi. Oui, moi j'ai elle. C'est 39 ou 38? 39. D'accord, il n'y a pas de 38. Très bien. À demain.